Yo les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Z Dokkan Battle Invocation. Sauf que c'est sur le portail du tournoi. Oui, c'est lourd. Bon, il y a quand même pas mal de trucs à choper qui pourraient m'intéresser sur ces portails. Je vais en parler plus en détail, mais juste avant, je vais vous dire que je vais faire la nouvelle vidéo. J'ouvre vos snaps, je réagis à vos snaps, délire vos snaps. Comme ça, je l'annonce pas en fin de vidéo car on sait que tout le monde ne sera pas là en fin de vidéo comme d'hab. Du coup, si jamais vous voulez m'envoyer des snaps ce soir, aujourd'hui, ce soir, demain, n'hésitez pas. Normalement, je ferai la vidéo du coup dimanche soir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un maximum de snaps par rapport à vos box, par rapport à vos personnages, par rapport à ce que vous avez chopé sur la Jap, sur le global, par rapport à des trucs que je voulais dire, et ainsi de suite, quoi. Sur ce, on va voir ce qu'il y a sur ce portail qui pourrait m'intéresser, et après, on va invoquer sur ce portail-là car il y a des trucs qui peuvent m'intéresser aussi. Bon. On sait tous que les portails du tournoi, c'est pas les portails. Je sais plus parler, oui. C'est pas les portails les plus importants. Mais quand même, déjà, je sais qu'il y a le Bardock masqué Timebreaker dans le portail. Même s'il n'est pas dedans, genre dans le détecteur, on peut quand même le choper. Donc si je le chope, ça serait pas mal. Sinon, il y a pas mal de personnages, genre la Caulifla, la Kale, etc., que je voudrais bien choper. Donc ça serait pas mal aussi. Sinon, parmi les personnages ici, en vrai. Le Sangohan ultime pour augmenter l'aspect de mon Gohan ultime puissance, pourquoi pas. Le couleur agi, je vous le voudrais aussi. Le super bout, pourquoi pas aussi. Et sinon, je dirais, niveau ces personnages-là, ce serait tout. Même si par exemple, le Gohan Super Saiyan 2 là, il peut servir si jamais je chope le Gohan LR. Du coup, il y a pas mal de petits personnages qui peuvent servir, même si c'est pas ouf. Mais notre but, c'est vraiment le Bardock Saiyan masqué, si on arrive à choper. Sinon, sur le portail de l'Arc-en-Fond, en vrai, tout ce que je veux. Bon, c'est nécessaire car j'en ai aucun. J'en ai vraiment aucun de ces nécessaires, les frères. Hein. Jamais chopé une nécessaire sur ce portail. Bon, on va arrêter de parler car sinon ça va prendre 3 heures car il y a beaucoup d'invoques à faire. Et on y va pour la première. Du coup, il y aura quand même des nécessaires qu'on va choper, c'est obligé. Espérons qu'on chope du lourd. De toute façon, on s'en fiche de ce qu'il y a comme capsule vu que c'est nécessaire garanti. On y va. Espérons qu'on va choper le Bardock Timebreaker, s'il te plaît. Ou un truc qui sert à quelque chose. Ouh, SSJ3, oui. S'il te plaît, s'il te plaît. Et ça commence avec un Goku qui pue la merde, oui. Ça commence bien. Il y a encore quand même pas mal de SSR à choper. En vrai, les mecs, pour le tournoi, ça serait super kiffant de farmer le tournoi. Si jamais, par exemple, dans ce portail, on pouvait choper les Neo LR. Ça serait pas mal, en vrai. Genre, avec une toute petite chance, limite, rendez la chance encore plus petite. Ça dérange pas, mais genre, donnez-nous de l'espoir, quelque chose. Car là, la plupart des persos, hors le Saiyan masqué. Ça pue un peu la merde quand même. Thalès! Au pire, il peut servir à augmenter les attaques speed des différents Thalès, même si je joue pas très Thalès. À une époque, ça se jouait ça d'ailleurs. Oh, ça tombe à gauche. Oui. S'il te plaît, Bardock, s'il te plaît. Le problème, c'est que tu peux pas avoir la hype car tu sais que tu vas avoir le SSR. Et en même temps, les SSR que tu veux, c'est vachement rare. Du coup, c'est compliqué d'avoir la hype, vous voyez. Un autre Bardock. Par contre, lui, j'ai jamais vu cette carte. Peut-être qu'il est dans le. Portail, mais j'ai vraiment jamais chopé, jamais vu, jamais truc. Et on continue, ça invoque. Sinon, les mecs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé sur la Jap, niveau Végéto, Gogeta LR. Est-ce que vous avez chopé sur la Gobalt si vous avez invoqué sur le portail Broly? Genre, est-ce que vous avez chopé Broly? Est-ce que vous avez chopé le Végéta SSJ4? Bah, on a eu le Beerus Agi, au pire, il peut servir pour augmenter l'attaque SP des Beerus. Oui, il a une attaque SP farmable. Mais en vrai, les mecs, vous vous rendez pas compte, la plupart des attaques SP farmables, ils sont archi longs à farmer, c'est chiant. Mais sinon, on y va. Allez, SSJ1. SSJ2. Ça arrête. Lourd. Et on continue, et on chope cette fois. Et deuxième fois, c'est Goku. Limite, c'est la carte que je veux le moins, et je la chope tout le temps. Incroyable. Bim. Et il se transforme. Et SSJ1. Et SSJ2. Et pas de SSJ3. De SSR garanti quand même. Ah, le second ultime qu'on voulait bien pour augmenter l'attaque SP, ça fait plaisir. Car je voudrais bien utiliser ma team catégorie sans que j'ai un Gohan qui pue. Donc ça fait plaisir. On continue. Et on a un Shenron. Donne-moi Bardock Timebreaker, sa fiche de flûte. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Oui, on savait que c'était nécessaire de toute façon. Et c'est 3 fois lui. Oui. Oui, c'est lui qu'on veut depuis tout à l'heure.
Oh, il est moche en plus. Encore une fois Shenron, mais c'est incroyable, on chope que des CCR, ouais. C'est pas le CCR grimpé par exemple. C'est... boire de l'eau moi. Oh, Bass pour augmenter l'attaque SP des autres Bass. Au pire, c'est pas... dégueulasse. Le problème, c'est que je suis obligé de faire des singles. Je pourrais faire des multi, comment je les ferai tout de suite. Mais on verra, peut-être que je couperai des moments au montage, on verra. C'est à voir quoi. SG1, SG2, et c'est fini. Oh, beau petit, ça c'est hors portail. C'est le premier personnage qu'on a eu hors portail, je crois. Sauf qu'il y a un Bardock, je suis pas sûr qu'il était dans le portail, mais quand même. Et encore un Shenron, oui! Seulement j'avais autant de Shenron dans les singles. Normal. Ça serait pas mal ça. Pourquoi pas, peut-être que je ferai une single sur Broly à la fin de la vidéo. Si je me sens chaud, faut voir. Même si je crois que je vais rien choper. Oh, au pire, il pourra servir si jamais j'ai le Gohan LR. Pas vrai, les mecs. Car un jour je vais l'avoir, le Gohan LR. Deux capsules. Il se transforme. De toute façon, c'est nécessaire encore une fois. SSJ1, SSJ2. Oui. Allez, s'il te plaît, Bardock Time. Bon, super. Au pire, je l'avais pas. Au pire, quand c'est une SSR nouvelle, ça va. Ça dérange pas. Encore 5 SSR, les frères. Après, on va sur le portail des. C'est quoi de Dragon Ball? Ouais, je crois. Enfin, de Kid Goku, quoi. SSJ1. SSJ2. Et c'est le Gohan, pas ultime, mais pour voir talent truc là. L'attend, enfin le truc là. Le personnage que j'ai déjà je sais pas combien de fois et qui sert pas grand chose genre, en vrai, c'est pas. Ouh, deux capsules. Arc-en-ciel, il se transforme pas et on aura un petit bye bye. Je devine, ça va être merci les Dragon Ball, allez. Bah c'était pas ça. Et on a eu encore une fois Bass. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5 capsules. Arc-en-ciel, s'il te plaît, Bardock, s'il te plaît, sors. Ça fait combien de temps que je te veux? SG1, SG2 et pas de SG3. Et maintenant, c'est. Un Bardock, oui! Mais pas celui qu'on voulait. Lui, il est pas masqué. Ça va, vous sinon? La vite, c'est ça. Oh, Shenron! J'espère que vous aurez Shenron sur vos invocations, mais pas ceux du tournoi. Allez, on continue. SG1, SG2. Ah, Bardock, je l'ai re-eu celui-là. Je croyais que je vais jamais le voir dans ma vie, je l'ai re-eu. Allez, celle-là, s'il te plaît, Bardock Tebrigger, s'il te plaît. D'ailleurs, si jamais qu'il y a quelqu'un qui a loupé le début de la vidéo et qui est là, car je ne sais pas pourquoi. N'oublie pas que je fais des j'ouvre vos snaps, la nouvelle vidéo j'ouvre vos snaps demain soir, du coup n'hésite pas à envoyer ton snap sur mon compte Snapchat Mohamed M-O-H-A-M-A-D tiré du bas A-K-O-U-M, ça ferait plaisir. Et on a eu, ouh, je crois que je l'avais celle-là ou pas. C'est celle où j'avais ou c'est l'autre? Ah, j'ai un doute là, voyez donc. J'avais la calée ou la colifla? Ça c'est la calée. Je dois nettoyer un peu. Ça c'est la calée. Faut voir derrière. Mais je suis allé où? Au pire, par perso, on va trier. Ah non, je l'avais déjà. Bon, après, ça fait un doublon, ça fait plaisir. C'est déjà pas mal. Bon, on va aller enchaîner sur le portail enfant. J'espère qu'on peut enchaîner rapidement sur ce portail car sinon, ça va être chiant. Ah oui, en effet, ça va être bien chiant. C'est pas mal tout ça. Ça va être bien long surtout. Hein, c'est. Je crois que je vais faire, les mecs, je crois que je vais faire, allez, 50. Je vais faire 10 invokes sur ça, les frères, même pas 5 invokes. Et je vais garder le reste pour le live ce soir. Car sinon, ça va faire une vidéo trop longue, ça va me casser les burnes, comme on dit. Car là, il y a 30 invokes encore à faire. Ouais, je vais faire encore, allez, 4. Encore 4 petites invoques. On appelle ça une vidéo.
On a espéré avoir le Barrel Time Breaker, c'est pas arrivé. D'ailleurs, est-ce qu'il est sur ce portail? Je crois pas, mais ça serait stylé quand même. Ouais, bulle-moi enfant, ouais, je change rien. Il faudrait que je voie à la fin. Comme ça, on fait planer le mystère. Bim, allez. Il se transforme. SSJ1, SSJ2, pas de SJ3, pas de cerf garanti. J'ai jamais eu de cerf sur ce portail, ça me saoule. Oui, Bulma enfant, oui, sur rien. Et allez, on y va. Oh, Roi Chapa, oui. Comment il y avait des personnages choux dans Dragon Ball de base? Allez. Il se transforme. SSJ1. SSJ2, comment je kifferais de voir SSJ3 dans ce portail? Parce que moi, il y a moins de chances de choper des cerfs dans ce portail que dans des portails normaux, on va dire. Ouais, bah, on va choper Bulma enfant, c'est pas mal ça. En plus, c'est rare, genre, on chope jamais. Hein. Allez, pour la dernière invoque, les frères. Pour la dernière invoque, s'il vous plaît. Une nécessaire, faites-moi plaisir. S'il te plaît, allez. SSJ1. SSJ2. Et ça va être. C'est Bulma enfant, c'est ça? Non, c'est Bulma enfant, mais différemment, oui. Bon. On va faire une petite single au cas où. Une toute petite single au cas où, on sait jamais. On sait jamais, la single, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Si, ça mange un peu de pain, mais c'est pas la mort. 4 capsules. Pas d'arc-en-ciel. Il se ressemble pas. Bon, je regrette déjà la single, les frères. Hein. Allez, hein. Allez. C'est 18h. Hein. Ça refait qu'un single, comme on dit. Hein. Bon. Les frères, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça ferait archi plaisir. Sinon, lâchez un petit commentaire et un petit like et un maximum de partage. Ça fait aussi plaisir. Les commentaires, je réponds à tous les commentaires, n'oubliez jamais ça. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain live, les frères, et tchuss !